avec une autre brute de maïs qui se passe dans la traque en soleil. Donc elle va prendre une seule journée de la vie de la campagne et tout de suite on va faire un peu de bien avec une brute de maïs qui est un peu plus de la peur. Bravo Mathieu, et l'enfer. Bébé Brutus, bah c'était beau. Ouais, c'était très beau, le cheval méritait sa victoire. Athée, on était un peu barré par les choix Philippe. Bah barré, on était 2-3, jamais battu par le même, mais voilà, aujourd'hui on avait décidé de prendre le risque au trot monté, on a bien fait. Pour finir, est-ce qu'on peut parler des allures? Il était un petit peu limite et ben, il avait tellement donné auparavant. Non, je viens d'aller voir l'avis avec les commissaires de l'intérieur. Il n'y a ni de raison de faire enquête, ni de problème d'allure. C'est vrai qu'il y a un léger décalage, mais il n'y a pas à être disqualifié, pas du tout. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est contrat rempli, tu courais pour gagner, c'est fait. Bah oui, sur sa classe d'attelage, vu l'opposition, c'était une première chance. Maintenant, il fallait qu'on l'ait bien réglé. Je pense qu'il faut qu'on mette un lasso un petit peu plus court, on change de mort, qu'il s'use un petit peu moins sur le mort, et puis il sera parfait d'ailleurs pour finir. Alors on fait quoi pour la suite? On alterne les deux disciplines ou on reste trop monté? Non, là au jour d'aujourd'hui, on va parcourir à 8 jours, on va aller sur le prix des élites, si je ne me trompe pas. Voilà, dans 3 semaines, et après on verra l'hiver, atteler, monter, comment on fait. Allez, avec mon nouveau fiancé. Petite question, c'est le premier kilomètre, t'étais maître à bord ou le cheval t'a embarqué? Embarqué, c'est pas le mot. Après, il était très tendu, il voulait aller que vite, mais il a tellement de classe, je suis facile, si je le laisse aller, je vais aller deux fois plus vite. Et il gagne quand même avec la manière, de très loin. Qu'est-ce qui t'a plu aujourd'hui dans son style? Bah tout, un poil trop brillant pour peut-être faire les 2007 pour l'instant, faut qu'on règle ça. Mais pour le prix des élites, à mon avis, ça va être sympa. C'est le deuxième bocage, il n'y avait rien à faire contre Brutus. Brutus était au-dessus, de manière, on le savait dès le départ. Il avait, c'est un cheval de classe d'attelage, c'était le meilleur du lot. Et donc le nôtre, ben, c'était super, on a pris une belle deuxième place. C'est l'argent qu'on ne pensait pas prendre et puis donc, tout le monde est content. C'est pas le vrai monté, donc on le force un petit peu à aller monter. Donc on va continuer à monter pour prendre des chèques comme ça, ça va être super. Le prix des élites alors? Ouais, on va le faire pour être cinquième, mais si les cinquièmes, c'est bien. Je pense qu'avec Booster Winner, tout ça, ces chevaux-là, ça va être compliqué, mais il peut être le cinquième, ça sera bien. Paul, il a refait du terrain pour terminer. Bah ouais, écoute, c'est super ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est une course de rentrée, les 2007, partir en descendant, il aime pas trop ça. Et bah, j'étais un peu près de vitesse, le premier kilomètre 10. Ensuite, bah, il a jamais molli, il en a refait pour finir, on bat, peut-être que c'est pour cette distance aussi. Hein. Mais course de rentrée, c'est génial. Ça s'annonce bien justement pour la suite, on pense à l'hiver déjà? Bah ouais, de toute façon, moi j'attends une chose, c'est les 2007 de la grande. Là, au moins, on verra vraiment, parce que partir en montant, il sera mieux. Et la longue distance, il est vraiment dur.